Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Les Maudits. Aujourd'hui, je vous présente des maladies au syndrome éponyme, c'est-à-dire des maladies nommées en l'honneur d'une personne, souvent le médecin, qui a identifié et ou décrit une maladie pour la première fois. Cette façon de nommer les maladies a été abandonnée depuis quelques décennies, mais autrefois, cette pratique était de règle. Les noms de médecins associés au syndrome et maladies qu'ils ont décrits abondent au 19e siècle. Alors, voici l'histoire derrière les noms de 13 maladies ou syndromes. Voyons qui vous rend malade. Commençons avec la maladie d'Alzheimer. Il s'agit d'une maladie neurodégénérative qui commence lentement et se détériore progressivement. Elle est la cause de 60 à 70% des démences. Souvent, le premier symptôme à se manifester est la difficulté à se souvenir d'événements récents. Il n'existe pas encore de traitement pour ralentir, arrêter la progression ou guérir la maladie. Cette maladie a été observée et décrite par le psychiatre et neuropathologiste allemand Alois Alzheimer. Il a été le premier en 1907, a publié ses observations d'un cas de démence présénile, qui sera plus tard connu sous le nom de maladie d'Alzheimer, nommée ainsi par un de ses collègues, Émile Kraepelin. La prochaine maladie est la paralysie de Bell. Il s'agit d'un type de paralysie faciale soudaine des muscles d'un côté du visage dû à un trouble du nerf facial. Elle peut résulter d'une infection virale ou d'un trouble immunitaire. Le premier symptôme de la paralysie peut être une douleur derrière l'oreille. Dans la plupart des cas, c'est temporaire et s'améliore en quelques mois. Cette paralysie peut toucher n'importe qui à tous les âges. Le médecin qui a décrit cette condition est un chirurgien, anatomiste, physiologiste et neurologue écossais, Sir Charles Bell. Il est aussi reconnu pour avoir découvert la différence entre les nerfs sensitifs et les nerfs moteurs dans la moelle épinière. Maintenant, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, aussi connue sous le nom d'encéphalopathie spongiforme subaiguë, est une forme rare et mortelle d'un trouble neurocognitif. Elle est causée par l'accumulation d'un prion, une forme anormale d'une protéine qui est toxique pour le cerveau. Les premiers symptômes incluent des problèmes de mémoire, des changements comportementaux, la coordination difficile et des problèmes de vision. Cette maladie est très difficile à diagnostiquer et il n'existe aucun traitement pour la guérir. Le neurologue allemand Hans-Gerhard Creutzfeldt a décrit cette maladie en 1920, tout juste avant son concitoyen Alphonse Maria Jakob, aussi neurologue. Le nom de la maladie a été donné par Walter Spielmeyer en 1922 en l'honneur de ses deux médecins. Si le nom de cette maladie vous dit quelque chose, c'est qu'en 1996, les scientifiques ont découvert que l'encéphalopathie spongiforme bovine, aussi connue sous la maladie de la vache folle, qui affecte le système nerveux central des bovins, est transmissible à l'humain par la consommation de la viande d'un bovin atteint et s'exprime sous la forme d'une maladie rare et mortelle, appelée variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Continuons avec la maladie de Crohn, qui est un type de maladie inflammatoire intestinale chronique, affectant habituellement l'iléon distal et le côlon. Les causes précises de l'inflammation sont inconnues, mais il est présumé qu'elle peut être causée par une combinaison de facteurs environnementaux, auto-immuns ou génétiques. Les symptômes incluent la douleur abdominale, la diarrhée, la fièvre et la perte de poids. Aucun traitement ne peut guérir la maladie à ce jour. Les traitements proposés tentent d'atténuer les symptômes, maintenir la rémission et prévenir les rechutes. La maladie est nommée en l'honneur du gastro-entérologue américain Burrill Bernard Crohn, qui a fait avancer l'identification de la maladie en collaboration avec ses deux collègues, les docteurs Leon Ginsberg et Gordon Oppenheimer. La maladie porte seulement le nom du docteur Crohn parce que son nom apparaissait en premier dans l'article publié par le trio qui décrivait la maladie en 1932. Poursuivons avec le syndrome de Dequervin, aussi appelé maladie ou tendinopathie de Dequervin. Il s'agit de l'inflammation des tendons qui contrôlent les mouvements du pouce, ce qui résulte en des douleurs et de la sensibilité sur le côté du poignet. Le syndrome survient généralement après une utilisation répétée du poignet. Il se développe souvent chez les nouvelles mères qui se servent seulement de leur poignet lorsqu'elles soulèvent leur bébé à bout de bras. Le traitement de ce syndrome va du repos à la chirurgie en passant par l'injection de corticoïdes selon la sévérité de l'inflammation. La condition est nommée pour le chirurgien suisse Fritz Dequervin. Il a décrit le syndrome qui porte son nom en 1895. Par contre, il est surtout reconnu pour son expertise sur les maladies de la thyroïde et on lui doit l'utilisation du sel de table iodé dans la prévention du goitre. Maintenant, voyons le syndrome de Down, aussi connu sous trisomie 21, qui est une anomalie chromosomique causée par la présence d'un chromosome 21 supplémentaire, qui entraîne une déficience intellectuelle et des anomalies physiques. Il n'y a pas de cure pour ce syndrome. Des soins adéquats ainsi que l'éducation permettent aux personnes atteintes d'avoir une belle qualité de vie. Cette condition porte le nom du médecin britannique John Langdon Down,
qui a décrit l'anomalie une première fois en 1862. C'est la rencontre avec une fillette en 1846 qui avait les symptômes de la condition qui portera son nom plus tard qui l'a convaincue de poursuivre une carrière scientifique. Dans sa description clinique détaillée du syndrome en 1866, Dante s'est inspiré de la classification des races aujourd'hui obsolète de Blumenbach. Il avait identifié quatre variétés, dont la variété mongolienne. En 1959, le pédiatre français Raymond Turpin présente sa découverte de l'origine génétique du syndrome. En 1961, les chercheurs et experts internationaux ont signé une lettre pour qu'on cesse l'utilisation des termes mongolien et mongolisme qui avaient des connotations trompeuses. De nouvelles appellations ont donc été proposées. Les anglophones ont choisi le syndrome de Down, alors que les francophones ont préféré trisomie 21. Continuons avec le syndrome de Guillain-Barré, qui est un trouble neurologique rare qui entraîne une paralysie progressive. Il affecte de nombreux nerfs périphériques dans tout l'organisme. Les premiers symptômes sont des engourdissements, des picotements et de la douleur qui est suivie par une faiblesse musculaire. Il commence souvent dans les pieds et les jambes et continue à monter vers les membres supérieurs. Les scientifiques pensent que ce syndrome est une réaction auto-immune, c'est-à-dire que le système immunitaire attaque une partie du système nerveux périphérique. Le traitement précoce de ce syndrome permet une amélioration rapide de quelques jours à quelques semaines. Par contre, sans traitement, l'amélioration des patients est plus lente et se fait sur plusieurs mois. Ce syndrome porte le nom de deux neurologues français, Georges Guillain et Jean-Alexandre Barré, qui, avec leurs collègues, le médecin André Straube, ont décrit cette condition en 1916, après avoir étudié deux soldats qui souffraient de faiblesse musculaire et de douleurs avec paresthésie. En 1927, la condition est nommée en l'honneur des deux neurologues, en omettant la contribution du Dr Straube. Parfois, on peut entendre parler du syndrome Guillain-Barré-Straube. Passons à la maladie d'Hodgkin, ou le lymphome d'Hodgkin, qui est un type de cancer qui touche le système lymphatique, une des composantes du système immunitaire. Le cancer attaque les lymphocytes, un type de globule blanc qui permet de combattre les infections. La cause est inconnue. Les symptômes sont un ou des ganglions lymphatiques hypertrophiés. Les personnes atteintes peuvent aussi présenter de la fièvre, des sueurs nocturnes et une perte de poids. La plupart des gens atteints du lymphome de Hodgkin peuvent être guéris. Ce cancer a été nommé en l'honneur du médecin britannique Thomas Hodgkin, qui est considéré comme un des plus grands pathologistes de son temps, ainsi qu'un précurseur de la médecine préventive. Cependant, il est mieux connu pour la première description de la maladie de Hodgkin en 1832. Poursuivons avec la maladie de Huntington, aussi appelée chorée de Huntington, qui est une maladie héréditaire, neurodégénérative et incurable. Les personnes qui en sont atteintes naissent avec le gène de la maladie, mais les symptômes débutent généralement entre 35 et 40 ans. Il est possible que les symptômes se développent avant l'âge adulte. Les premiers symptômes sont des mouvements involontaires et brusques du visage, du tronc et des membres. Il existe des médicaments pour soulager les symptômes, mais encore rien pour guérir la maladie. La maladie porte le nom du médecin américain George Huntington, qui a participé à la description de la maladie en 1872. Médecin de père en fils, les docteurs Huntington ont décrit cette maladie héréditaire en observant son développement chez une famille de East Hampton à Long Island, New York, pendant de multiples générations. Passons maintenant à la maladie de Parkinson, qui est une maladie neurodégénérative progressive qui affecte les régions du cerveau qui contrôlent le mouvement. Elle est caractérisée par la mort lente des neurones qui produisent la dopamine, un neurotransmetteur important pour envoyer l'information au circuit nerveux. Le manque de dopamine cause des symptômes moteurs tels que les tremblements au repos, la rigidité musculaire et la lenteur de mouvement. D'autres symptômes, qu'on qualifie de non-moteurs, affectent aussi les gens qui ont la maladie. On y trouve des troubles du sommeil, la perte de l'odorat, la dépression, l'anxiété, etc. À ce jour, il n'existe aucun médicament pour ralentir ou arrêter la progression, ni pour guérir la maladie. Les traitements existants servent à soulager les différents symptômes. La maladie porte le nom de James Parkinson, un médecin, apothicaire, géologue, paléontologue et activiste anglais. Il a été le premier à décrire en 1817 ce qu'il appelait la paralysie agitante, qui sera renommé en son honneur par le neurologue français Jean-Martin Charcot. Continuons avec la maladie de Raynaud ou le phénomène de Raynaud, qui est un trouble chronique de la circulation du sang dans les extrémités, qui survient périodiquement en cas d'exposition au froid ou en cas de stress émotionnel. Lorsqu'une crise survient, les doigts et les orteils deviennent blancs avant de virer au bleu puis au rouge. Les crises peuvent durer de quelques minutes à plusieurs heures, mais il est rare qu'elles causent des dommages permanents. Pour contrôler ce phénomène, il faut éviter de s'exposer au froid, de fumer et de prendre certains médicaments.
La maladie a été nommée en l'honneur du médecin français Auguste Gabriel Maurice Reynaud, qui a découvert cette maladie et en a fait la description en 1862. Poursuivons avec le syndrome de Gilles de la Tourette, qui est un trouble de développement neurologique qui débute dans l'enfance et peut être héréditaire. Il se caractérise par la présence de tics moteurs et vocaux. Les plus communs sont la toux, le raclement de la gorge, le reniflement et les mouvements faciaux. Le syndrome n'affecte pas les capacités cognitives ni l'espérance de vie. Les tics ont tendance à diminuer au passage à l'adolescence et les cas sévères chez les adultes sont rares. Le syndrome porte le nom du neurologue français Georges-Albert-Édouard Brutus Gilles de la Tourette, qui, à la demande de son mentor, le neurologue français Jean-Martin Charcot, a travaillé sur les troubles moteurs et a observé et décrit les symptômes du syndrome qui porte aujourd'hui son nom dans une étude publiée en 1885. C'est Charcot qui a nommé ce syndrome en l'honneur de son élève. Et la dernière maladie éponyme que je vous présente est la maladie de Lou Gehrig, ou la maladie de Charcot. Cette maladie est connue sous le nom de sclérose latérale amyotrophique, ou SLA. Il s'agit d'une maladie neuromusculaire incurable. Elle provoque une paralysie progressive de la musculature squelettique des membres, du tronc et de l'extrémité céphalique. Aucun traitement n'existe pour guérir la maladie à ce jour. Quelques médicaments existent pour prolonger la vie de quelques mois. Au début du 20e siècle, la SLA était peu connue du grand public, même si la première description de la maladie, faite par Charles Bell, remonte à 1824. Et qu'en 1869, le neurologue français Jean-Martin Charcot, et oui, encore lui, a été le premier à décrire la connexion entre les symptômes et les problèmes neurologiques sous-jacents et l'a nommé sclérose latérale amyotrophique dans son article publié en 1874. Lou Gehrig est le grand joueur de baseball des Yankees de New York qui, en 1939, en annonçant être atteint de la SLA, a attiré l'attention du monde entier sur cette maladie. Depuis, la SLA a été associée à son nom et l'est encore aujourd'hui aux États-Unis et au Canada. En France, la maladie est aussi connue sous le nom de la maladie de Charcot. Ce neurologue français est reconnu comme le fondateur de la neurologie moderne et son nom est associé à une quinzaine de maladies ou conditions neurologiques. À l'été 2014, le défi du seau d'eau glacée, qui consistait à se verser ou se faire verser un seau d'eau glacée sur la tête, a permis de médiatiser la lutte contre la SLA et de collecter des fonds pour la recherche. La campagne est devenue virale sur les médias sociaux et a permis de récolter 115 millions de dollars américains. Il existe des dizaines d'autres maladies ou syndromes qui portent le nom d'un médecin. Quoique de nos jours, on ne nomme plus les nouvelles maladies de cette façon, on continue d'utiliser les noms qui ont été donnés aux maladies décrites au 19e siècle. J'espère que vous avez aimé cette vidéo un peu différente. Si c'est le cas, cliquez sur le petit pouce et abonnez-vous à la chaîne. Ce serait très apprécié. Merci de votre visite et à bientôt!